C'est pas vrai, c'est un non-voyant qui a gagné le stage de pilotage. J'y mets monsieur, comment on va faire? Parce que comme vous êtes non-voyant, vous pouvez... enfin, c'est pas possible, là on a un problème technique. Et il dit, oh bah c'est pas grave, je suis déjà tellement content d'avoir joué. Ce sera impossible de vous faire un stage au volant. Ouais, bah oui, c'est impossible. Si on serait sur un lac gelé de 100 km², on vous laisserait faire, oui. Mais là non, sur un... Il me dit, oh, bah, c'est pas grave, envoyez-moi ce que vous voulez. Donc, on n'a pas pu lui faire gagner le stage. Et je regarde, et on est en fin de mois, il n'y a plus de cadeaux. Et le seul truc qui me reste à lui envoyer, c'est une paire de rollers. Et je lui ai envoyé des rollers. Des rollers à malvoyants. Et... non-voyants. Et du coup, forcément, je me suis imaginé ce monsieur avec sa paire de rollers, son chien qu'il voulait emmener au stage de pilotage. Et j'espère qu'il va bien et qu'il n'a pas à chausser les rollers en centre-ville. Enfin, voilà. Et il ne me restait que ça. Mais il était tellement gentil, ce monsieur. Il me dit, oh, bon, envoyez-moi ce que vous voulez. Donc ça, c'est l'anecdote. J'avais ça à gérer, notamment. Voilà. Ça me fume. Oh, bordel.